à Anthony et Mathieu de prendre le guéridon qui est là-bas avec la pièce qui se trouve dessus. Voilà. Non, le nœud de l'autre côté. Voilà. Oui, ça va aller par là. Vous ouvrez, Anthony, vous ouvrez la caisse, vous sortez ce qu'il y a dans la caisse. Vous refermez la caisse. Vous ressortez la caisse, voilà, vous sortez, vous refermez la caisse, vous posez sur la caisse. Voilà. Bon, vous laissez bien le cachet de cire et le briquet, hein, parce que après j'ai du travail. Vous pouvez vous asseoir. Depuis l'Antiquité, le vin est considéré comme un symbole de convivialité, de partage et de bonheur. Vous basant sur cet amour de la joie de vivre, c'est ce que j'ai constaté. Alors, c'est pas de la jaquette. Vous basant sur, maintenant que j'ai retenu, moi aussi, vous basant sur cet amour de la joie de vivre, vous avez imaginé votre propre rituel. À l'image de la vie, le vin est à la fois doux et amer. La douceur du vin symbolise le bonheur, la joie, l'espoir, la paix, l'amour. L'amertume, quant à lui, symbolise la déception, le chagrin, la tristesse et les peines. Cette douceur et cette amertume représentent l'aventure de la vie. Les grappes de raisin, lorsqu'elles sont pressées, exhalent leur jus pour former un bon vin qui se bonifiera avec le temps. À l'image du vin, vos vies, sous pressoir du temps, s'exhalent de l'amour et du respect. Ils se bonifieront avec le temps. Siwan et Quentin ont écrit leurs vœux. Ils vont vous lire. Une fois qu'ils auront lu leurs vœux, ils les enfermeront dans la caisse avec les deux bouteilles de vin. Et je vais cacheter cette caisse à la cire. Dans 5 ans, ils vont pouvoir ouvrir cette caisse et boire en même temps, ou non, en 2 jours peut-être, et boire la bouteille de vin. Car, comme vous, ce vin qui a parcouru un chemin pour devenir ce qu'il est, le fruit est passé par des étapes de maturation jusqu'à ce qu'en soit extrait un vin jaune, mais déjà fort en délicates arômes. Puis avec le temps, les arômes se formeront et le vin gagnera en caractère et délicatesse. Votre souhait est que le temps ait le même effet sur votre amour, plus de force et des goûts plus délicats. Siwan et Quentin, voici vos vœux de mariage que vous avez écrits. On va commencer par Siwan. Vous vous levez. Que nous allons avoir aujourd'hui. Je tenais simplement à te remercier. D'avoir été présent pour moi, pour nous, pour les épreuves durant ces 10 années. Merci de n'avoir jamais lâché la main. Tu es à la fois mon
compagnon de route, mon confident, celui avec qui je partage ma vie. Et pour rien au monde, je ne changerai pas. Tu fais de moi une femme heureuse et comblée. Tu as toujours su me donner l'amour et me donner le soutien dont je besoin. Grâce à toi, j'ai compris ce qu'est d'être aimée de façon conditionnelle. Je t'ai toujours dit que les paroles ne valent rien si les actes ne suivent pas. J'espère que mes actes ont montré à quel point je t'aime. Non, tu parles plus près du micro. C'est dur de passer en deuxième. Hein. C'est la vedette qui passe toujours en deuxième. Mon amour, avant de te rencontrer, j'ai toujours été un solitaire, un gamer amateur de séries TV et de manga. Mais grâce à toi, je suis sorti de ma coquille, plus sociale et moins réservée. Et aujourd'hui, je fais un discours à cœur ouvert devant... Bon, j'avais marqué 80 personnes, je ne sais pas si on a 80, maintenant c'est là. Tu m'as toujours dit que l'amour ne se trouve pas par les mots, tu l'as d'ailleurs écrit dans tes propres vœux, mais par les actes. Et j'espère que je te montre tous les jours à quel point je t'aime. C'est pas que ça va être aussi. Nous avons passé plus de 10 ans de notre vie ensemble, mais j'ai l'impression que tu as toujours été là. Nous avons commencé à faire ce bout de chemin ensemble, main dans la main, et nous voyons cette route se construire et se développer au fil de notre relation. Quel que soit l'endroit où elle nous mènera, nous serons là, l'un pour l'autre, car nous nous complétons. Je suis patient et tu es passionné. Je suis calme et tu es dynamique. Nous n'avons pas de secret l'un pour l'autre. D'ailleurs, je ne sais pas te mentir. C'est pour ça que j'ai autant de mal à te faire des surprises. Et nous savons tous les deux que la communication est la clé. Dans tout cela, le plus important pour moi, c'est que tous les... Et dans cela, le plus important pour moi, c'est que tous les matins, je me réveille aux côtés de la femme que j'aime. Et demain, cela ne changera pas. Je souhaite que cela reste vrai chaque jour de cette vie et de la suivante, pour l'éternité. Ma vie n'aurait plus aucun sens sans toi. Je t'aime plus que tout mon amour. Heureusement que j'ai pas de maquillage. Alors, je vais mettre maintenant les deux bouteilles de vin dans la caisse. Vous auriez pu quand même montrer à vos invités quel était le vin. Vous les remettez dans la caisse. Je vais vous dire qu'une fois, nous avons fait, Fabien et moi, une cérémonie de mariage, c'était deux hommes que nous mariait, et au petit déjeuner, ils ont ouvert la bouteille. Ils n'ont pas pu attendre. Tu fermes. Il faut mettre les vœux à l'intérieur, du coup. Tu mets les vœux à l'intérieur, non, excuse-moi. Donc ils se relieront les vœux dans 5 ans. Normalement. Là, vous restez debout, vous asseyez. Là, c'est le plus long. Heureusement, aujourd'hui, il n'y a pas de vent. Prêt au cas où si... Oui, s'il y a un incendie, on ne sait jamais. Je te propose. Oui, j'ai compris ce que tu veux me dire.
C'est ce que j'ai fait pour vous. Non, mais il n'y a pas de Jacqueline, donc ça va passer. Oui, oui. Ça ne tiendrait pas 5 ans, la Jacqueline. Non. C'est vrai qu'il fallait mettre la grenadine. Il faut pas que ça. Oui, je sais. Pour la faire fondre. Voilà. Je vais demander aux deux témoins. Et vous pouvez vous asseoir.